Bonjour à tous, chers amis, moi je suis Harry Schneff et avec moi aujourd'hui, il y a... William Bruno. Bonjour à tous les gars. Alina. Bonjour tout le monde, les gars. Safik, 1, 2, 3, 4. Et pas ça, chérie, salut. Aujourd'hui, nous sommes au parc d'attractions de Jokejoy pour filmer une vidéo sur la bande de couleurs de Aggiwaggi et ses amis. Le truc, c'est qu'on a récupéré ses costumes à la bande colorée de Aggiwaggi. On a eu du mal à les convaincre de nous laisser les prêter, mais on a fini par y arriver. Alors, maintenant, on peut filmer cette vidéo. Écoute, Artyom, filmons une vraie vidéo avec ce Aggiwaggi Gang. Écoute, si nos abonnés nous mettent 100 000 likes sous cette vidéo, alors, nous, quand on allons rendre les costumes, nous saurons où se trouvent leurs repères et nous pourrons même attraper cette bande. Et puis, on va enlever leurs masques et on leur fera des farces. Mince, ok, je vais mettre vite mon like en premier pour qu'on reçoive 100 000 likes le plus vite possible. Ok les gars, allons jouer, c'est parti! Et maintenant, nous allons vous montrer cet énorme parc! Et maintenant, nous allons jouer à Among Us! Dans ces costumes colorés de Aggiwaggi, tout au long du jeu, on va avoir plein de tâches à accomplir sur cet immense territoire. Et pour déterminer lequel d'entre nous sera un membre de l'équipage et lequel sera un imposteur, on va utiliser les cartes qui sont juste ici. Celui qui a une carte avec une tâche est un membre d'équipage et celui qui a un cercle rouge est un imposteur. L'imposteur peut saboter et utiliser un seul mouvement de loup-garou par tour. Quand par exemple, moi, Harry Schneff, je me transforme en Pacha Shiraev, je me transforme du vert Aggiwaggi en un jaune. Quand l'imposteur tue quelqu'un de l'équipe, il doit s'allonger sur le sol et ne pas bouger jusqu'à ce que quelqu'un de l'équipe le trouve. Mais si quelqu'un le voit, il doit obligatoirement klaxonner et courir vers le tonneau bleu. Safik, apporte le tonneau. Je vais tout de suite. Voilà. Hop. Courir vers ce tonneau bleu et appuyer sur le bouton rouge pour appeler une réunion. Et là, on est en train de trier les cartes et celui qui aura l'imposteur, il va devenir l'imposteur. Voilà, c'est comme ça. On met le masque et on court. Tout le monde, partez d'ici! Les gars, on joue? Les gars, j'ai regardé sur ma carte. De toute façon, je dois faire ma mission quelque part ici. J'ai ma première tâche avec le numéro 2 écrit dessus. Suivez-moi, on va aller le chercher. Non, en fait, je suis un civil, d'ailleurs. Je le dis au cas où, parce que peut-être que vous avez pensé que j'étais l'imposteur ou un traître. Eh bien, à cause de la couleur, j'ai l'air peut-être d'un traître. La couleur rouge est toujours la couleur des traîtres. Les gars, zut, je dois aller par là. Mais il y a un panneau qui dit uniquement avec les adultes. Et moi, je suis pas un adulte, moi. Comment je suis censé d'entrer là-dedans, maintenant? Mais attendez, il y a une astuce. Si toi, mon spectateur, tu es un adulte, alors je peux entrer avec toi juste ici. Tu sais comment tu peux prouver que tu es déjà grand? Les adultes savent comment s'abonner à la chaîne. Donc si tu cliques maintenant sur le bouton rouge d'abonnement et le rend gris, je saurai que tu es déjà grand et responsable. Et alors je peux aller avec toi. Allez, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, alors vas-y! Clique sur le bouton d'abonnement et hop! Oh, je vois que tu t'es abonné! Donc tu es un adulte, cool! Allons-y! Donc s'il arrive quelque chose, je peux me justifier d'être accompagné par un adulte! Oh là là, les gars, regardez! On ne peut pas se laisser distraire! On doit se dépêcher de faire nos épreuves avant que l'imposteur fasse son sale boulot et tue toute l'équipe! Je n'aimerais pas d'être l'un des premiers! Voilà, les gars! Ma première tâche est la numéro 2! Et si on doit construire un mot à partir de ces dés avec les lettres dessus? Ok, on va se débrouiller. Ouais les gars, il est là, William Bruno. Il ne sait pas du tout que je suis un imposteur. Un timing parfait pour le tuer. Les gars, c'est ici qu'on peut se cacher son cadavre. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai une mission ici en fait. Tu es sûr? Ouais. Ok. En fait, regarde ces trampolines ici. Ils sont vraiment super cool. C'est un vrai parc de trampolines, ça. Maintenant, regarde comment je peux faire. Wouah! 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 Bruno, c'est trop cool. Cherche des cubes avec des lettres. Oh, quoi avec des lettres?
Mais tu dois le savoir, tu as aussi une épreuve à passer. Je sais pas encore quelle est ma mission. Ah, je vois, je pensais que tu étais l'imposteur. Regarde, tu dois trouver les lettres sur des cubes et faire un mot avec. Faisons-le ensemble. Allez, moi c'est les gars, nous allons devoir reporter le meurtre de Bruno pour un moment. Regarde Bruno, il y a des cubes qui nous manquent. Je vais aller chercher par ailleurs. Ok, eh bien, reviens le plus tôt possible. Ensemble, on s'en sortira plus vite. Ok, je crois que je vois une lettre. Les gars, mon défi se trouve quelque part sur le toboggan. J'ai regardé sur la carte et le toboggan est quelque part par ici. Mais je ne sais pas vraiment, j'ai pas compris. Donc maintenant on va chercher ensemble. Ici il y a tellement de choses cool. Regarde un requin là. Oh, un toboggan, mais c'est pas ce qu'il me faut. Ici c'est très facile de se perdre. A priori je dois aller par ici. Oh, c'est le toboggan dont j'ai besoin. Bon allez, je monte en haut, c'est là-bas qu'il doit y avoir ma mission. Ah, avec ce donut. Les gars, c'est Zafi 4-3-4 à la barre. Ouais, c'est Doc, c'est un parc de jeux malades. Il doit y bien avoir mon défi quelque part par là. Ma mission est numéro 2. Ok, je plaisante mes amis, je suis un imposteur. Allez, deuxième blague, je suis pas un imposteur. Je suis super connard. Allez, laisse-moi vous montrer ce qu'il y a ici. Oh, c'est extraordinaire, les gars. Je n'ai jamais vu un centre aussi beau et aussi grand. Ici, nous avons un labyrinthe. Mais dans un labyrinthe, je pourrais être tué par un imposteur. Personne de différent. Regardez. Ok. Génial. Il va y avoir ma deuxième mission quelque part. La vache. C'est juste une vraie patinoire. Il y a même des crosses de hockey, les gars. Ouh, c'est la bombe. Qui aime le hockey, écrivez-le dans les commentaires dès maintenant. Et moi, je vous comprendrai tout de suite. Il n'y a aucune mission pour moi ici, donc je vais devoir quitter cette patinoire. Bon, allez, peu importe, on y va. Je vais aller... Les gars, j'ai pas eu l'occasion de tuer Bruno, j'ai besoin d'un bon moment pour l'attraper. Je vais le... Ah, les gars, j'ai pas fait exprès. On doit sortir d'ici rapidement, retourner auprès de Bruno. Je ne voulais pas du tout tuer Artyom, surtout pas dans un endroit si visible. Je ne pourrais pas tuer William Bruno tout de suite, car il faut un certain temps pour que le taser fonctionne à nouveau et que je puisse le tuer. Donc, je ne pourrais pas tuer William Bruno maintenant. Je dois être extrêmement prudent pour que personne ne le sache. J'espère qu'Artyom ne sera pas bientôt retrouvé car il est juste prêt. Alina, où sont les cubes que tu es allé chercher? Oh, les cubes. Je les ai pas trouvés, je pense qu'ils sont tous ici en fait. Mince, Alina. C'était juste une perte de temps. Regarde, j'ai déjà trouvé 2 lettres. C'est bon, elles sont si difficiles à trouver, vraiment. Eh bien, laisse-moi t'aider, ils sont ici. Écoute, pour être honnête, tu n'as pas pu les trouver, donc je vais aller les chercher moi-même, ok? Oh, on ne va pas là-bas. Oh, ils sont tous là de toute façon, il n'y a rien là-bas. Vraiment, du tout. Écoute, non. Moi faire moi-même, enfin. Ça? Ouais. Je crois que quelqu'un a été tué. Et toi et moi étions ici ensemble, tu te souviens? Ouais. C'est bien que nous n'ayons pas été tués. Les gars, je vous ai appelé ensemble parce qu'Artyom a été assassiné juste en face de moi. Juste devant toi? Oui, juste devant moi. À qui l'a fait? Je ne sais pas qui c'était. Ok, réfléchissons logiquement. J'ai rempli ma mission et puis j'avais cette espèce de sous de cul. Donc ça pourrait être sa pique parce qu'Artyom a été tué en face de lui. Soit elle a vu le tueur, soit il est le tueur lui-même. Ce n'est pas être comme ça, c'est pas vrai, n'importe quoi. Si vous me demandez ce que je faisais, je jouais au hockey et je suis allé sur un terrain de jeu là-bas. De toute façon, je n'ai encore trouvé ma mission. Qui avec qui? J'ai compris que sa fille qui était tout seul et que moi j'étais tout seul. Et vous, tous les deux, vous étiez où? Moi, j'étais avec William Bruno tout le temps, donc j'ai un alibi. Oui, nous étions avec Alina tout le temps, sauf pendant le moment où elle... Je ne pense pas qu'Alina cherchait d'aider à ce moment-là. Elle a tué Artyom, mais on peut pas la dénoncer. C'est une fille après tout. Je pense que c'est Pacha qui est le traître. C'est l'imposteur sans aucun doute. C'est pas vrai. Bruno, tu mens. Ça fait que tu as entendu ce que Bruno a dit, qu'il était avec Alina tout le temps. Mais à un moment, il est parti pour je ne sais quelle raison. Elle a arrêté de donner des informations à Alina à 100%. J'ai le même avis que Bruno, car lui et moi, tu es en train de collecter des cubes et ne faisions rien d'autre. J'ai un alibi pour Bruno et elle en a un pour moi. Donc nous sommes tranquilles. C'est toi, c'est toi. C'est toi. Il ne peut pas être le meurtrier, parce que c'est lui qui a été assassiné. Ah, donc, c'est lui qui est assis à gauche de moi. Alina, la meurtrière. Silence, stop. 100% Alina l'imposteur. J'en suis sûr à 1 000 000%. T'as raison, sa fille. Très bien, moi je vote. Allez, c'est Alina. Moi aussi. Et je suis pour Pacha.
Je suis par Pachka moi aussi. Comment ça? Du coup, on est égalité. Que les gens continuent. Les gars, nous n'avons pas pu trouver l'imposteur pendant cette réunion, mais nous devons chercher des missions maintenant. Les gars, je ne suis pas sûr qu'Alina soit le traître, mais ce tour-ci, je vais le découvrir. Je vais découvrir la vérité. Les gars, je fais semblant de chercher une nouvelle mission. Allez, tu m'as fait tellement peur. J'ai compris que c'est toi qui as tué Artyom. Tu es le traître. Tu es l'imposteur. C'est toi qui devrais tirer du jeu parce que tu tues des civils. Comment t'as pu faire ça? C'est vrai. Merci de me protéger. Je ne vais pas te tuer pour ça. Eh bien, c'est déjà mon credo. Écoute, t'as vu où sont Pachka ou Safik? Merci de m'avoir gardé en vie, bien sûr. Mais je n'étais pas dénoncé uniquement parce que je n'étais pas sûr. À la prochaine réunion, je réfléchirai très sérieusement à la façon dont je dois répondre et pour qui je dois voter. Alors ne trahissons pas les membres de l'équipe, mais faisons le travail. Alina, suis-moi. Ok, mais les gars, j'ai une autre tâche. Je dois tuer Safik, enfin ou Pachka. Peu importe que je rencontre, je ne toucherai pas à Bruno, c'est sûr. Les gars, j'ai décidé que je vais continuer là où je m'étais arrêté en ronde précédente. Avec cette tâche qu'on m'a coupée, on m'a pas laissé finir jusqu'à la fin. Regardez, le but c'est de faire une maison avec le Sudoku, juste avec des chiffres. Donc là je suis assis, je tourne tous ces morceaux de bois. Ok, ça a l'air d'être dans l'ordre. Le plus important c'est que vous bougez pas. Parce que dans le continuum c'est pas très confortable, ça glisse et le bâtiment il est en train de s'écrouler. 34-46, c'est le bon ordre a priori. Le problème c'est que je connais pas tous les jeux, mais bon, je pense qu'avec ce jeu j'ai tous les apprendre. Cette maison, c'est sympa! Ouais! Moins un! Ouais! On t'a eu! Notre plan a fonctionné! Quoi? Quoi? Ça pique! Ouais! Je n'ai rien à voir avec ça! Pachka et moi avions dû que tu étais un imposteur, alors nous avons inventé un plan de ouf malade! Je me suis caché ici et Pachka jouait tranquillement le jeu et on t'attendait! Pachka s'est sacrifié pour gagner et ouais, tout ça pour gagner! Tu n'as jamais pensé que Pachka pouvait être un meurtrier? Et puis, s'il te tuait, tout le monde penserait vraiment que c'est moi l'assassin! Oh non! Eline, toi, tu aurais pu, c'est toi qui aurais dû, c'est toi! C'est pas moi! Oui, c'est toi, 100%! Je t'ai vu tuer Pachka, donc c'est toi, 100%, j'en suis sûr! Ce n'est pas moi parce que quelqu'un a utilisé un loup-garou apparemment! Et ça doit être Sadik, elle est déguisée à moi, elle a tué Pachka et maintenant elle me piège! C'est vraiment n'importe quoi! Non, c'est toi! Je regarde dans les yeux! Tout le monde le sait maintenant! C'est elle à 100%, c'est un million de 100%! Hey, j'en suis sûr! Même pas ça, il était sûr! Bruno, mais toi, tu sais très bien que ce n'est vraiment pas moi! Écoute, pourquoi ne pas lui donner une autre chance? Ou peut-être c'est toi le traître? Quoi? Nous jouons honnêtement! Donc je vous propose de voter! Je vote contre Alina! C'est équitable, et voilà! Ok, bien. Nous jouons honnêtement. Il faut dire la vérité. Désolé, Alina, mais vraiment, je pense que tu es l'imposteur. J'ai des preuves, moi. Je vote contre Alina. William Bruno, t'as fait une erreur en choisissant sa fille. Oui, je suis l'imposteur. Je te l'avais dit. Les gars, William Bruno et moi, nous avons gagné. Ouais, nous allons pouvoir passer au prochain tour. Le monde n'a jamais vu des vidéos comme celle-ci. C'est une bombe atomique ce tour, les gars. J'ai été choqué qu'Alina soit l'imposteur et qu'elle m'ait tué juste au début de la partie. Mais maintenant, nous allons tirer à nouveau les cartes. Et en faisant cela, maintenant, cette fois, vous ne saurez plus qui est l'imposteur et qui est le membre de l'équipage. C'est la mienne. C'est la mienne. Ça, je prends. Allez, je le prends. Et moi, j'ai ça, moi. Je vois rien du tout. Non mais vous savez les gars, maintenant j'ai juste peur de tout le monde parce qu'ils peuvent se venger. Va-t'en, je vais quand même me venger. Le dernier tour, Alina m'a assommé si vite que je n'ai même pas eu le temps de faire une seule tâche. Mais cette fois, il faut être aussi prudent que possible et ne faire confiance à personne. Ok, il doit y avoir quelque chose dans ce labyrinthe, j'en suis sûr. Où sont les tâches? C'est facile de se perdre ici. Yes, les gars, j'ai trouvé ma première tâche. Enfin, c'est la tâche N4, mais c'est la première pour moi. Il y a une carte à insérer, mais je n'ai pas la carte elle-même. Apparemment, la carte est dans ce labyrinthe. Je vais la trouver, c'est sûr à 100%.
Ma tête. Je suis coincé. Comment je peux sortir d'ici? N'approche pas de moi. N'approche pas. J'ai déjà été tué. N'approche pas. Ne t'approche pas de moi. Pas de moi non plus, allez. Tu es sûr que tu n'es pas l'imposteur? Non, j'ai été tué immédiatement au début du premier tour la dernière fois. Je n'ai même pas terminé la mission, donc je ne fais confiance à personne maintenant. Artyom, je ne suis pas un imposteur. Je suis en train de mener une mission ici. Ici, j'ai déjà trouvé la carte. Il ne reste plus qu'à trouver un lecteur de carte. Eh bien, je l'ai vu là, derrière. J'ai cherché la carte et maintenant je suis coincé ici. Je peux rien faire. Laisse-moi te montrer. Pousse-moi. Allez, on pousse maintenant. Allez, allez, donne-moi tes mains. Allez, 1, 2, 3! On est sorti, ouf! Mais je devais aller dans le sens inverse, en fait! Très bien, on va trouver une solution! Ouais, d'accord! Ne me pète pas dans le nez, s'il te plaît! Et pousse ici, encore une fois! J'ai perdu ma carte! Attention, attention! Ok, voici la carte! C'est tout, nous avons une mission à accomplir! Arthur, où es-tu? Tiens! Ok, les gars, on va faire la mission maintenant! Ça ne marche pas! Essayons doucement. Oui, mission accomplie, les gars. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec la lumière? C'est toi qui as fait le sabotage, c'est toi. C'est du sabotage, Artyom. Je pense que quelqu'un a saboté. Tu dois te déplacer très prudemment dans le noir. T'es sûr que c'est pas toi? Tu m'as fait mal, allez, sortons d'ici avant que nous soyons tous les deux tués comme de gros connards. Ici il devrait y avoir une princesse. Je t'ai eu, c'est moi, William Bruno, qu'est-ce qu'il y a? T'es sûr, c'est toi Bruno? T'es pas un imposteur? Pourquoi je serais un imposteur? Je plaisante! Écoute mec, je te jure que je ne suis vraiment pas un imposteur. Eh bon, moi si tu le jures, je te crois. Écoute, je ne suis pas du tout là UFO. Je vois que tu as, un peu de problème avec ta mission, mais moi ici, j'ai littéralement une lettre à trouver et ma mission est terminée, mec. Allons passer ma mission, mec. La lumière est meilleure chez toi? Parce que chez moi, c'est sombre, j'arrive pas à faire ma mission. Écoute, avec toi, Jaune, ça sera plus lumineux, évidemment. Allons-y. Très bien, allons-y. En fait, Pache, regarde, depuis combien de temps est-il allongé ici? Qu'est-ce que c'est? C'est une torche. Et on va évidemment en avoir besoin maintenant. On est dans l'obscurité, c'est ce qu'il nous faut. Oui, c'est ça. Là, on doit aller par là. Suis-moi, allez. Allez. Ouais, Pachka, regarde. Voici la mission. Tu vois, j'ai presque fini le mot ici. Ha-g-g. Il manque une lettre. Je ne comprends pas du tout laquelle. Et après toi, c'est quel mot alors? Je n'en ai aucune idée. C'est pourquoi je t'ai invité à m'aider. Eh mec, c'est quoi cette lettre? Oh, Aline! N'approche pas! Tu peux m'aider, s'il te plaît? Eh bien, je suis en train de faire un mot ici, et il me manque une lettre pour finir. Je ne comprends pas quelle lettre il faut mettre ici. Tu peux m'aider, toi? Alina dit la lettre A. Écoute, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que ça marche? Ha-ga! C'est ha-ga! Moi, je connais pas ce genre de mot. Je pense qu'on s'est trompé de lettre. Oui, je pense qu'Alina se trompe aussi. Mince, quelle lettre ajouterais-tu ici? Bruno, t'as regardé au fond de la piscine? Ici, il y a beaucoup de cercles, de formes, on dirait des lettres, comme celle-ci. J'ai sûrement allé dans la piscine, j'ai plongé et puis j'ai trouvé des lettres, ok? Ok, sauf que ce sont pas des triangles. Je sais, ça c'est des losanges. Bon, allez, je suis parti, c'est parti! Ok, Pacha, cherche là-bas et moi je veux demander aux experts, moi. Les gars, il me manque vraiment une lettre, juste une, mec. Et je vais faire un mot avec. Qu'est-ce que c'est? Quelle lettre je dois ajouter ici? Les gars, si vous savez quelle lettre ajouter et quel mot obtenir, écrivez ce mot dans les commentaires, les gars. Je peux voir tous les commentaires en temps réel. Et si vous écrivez la bonne réponse maintenant sous cette vidéo, je comprendrai alors et je pourrai assembler le mot complètement. Et mon travail sera terminé. Bon, allez, joue avec moi. Aide-moi, s'il te plaît. Parce que Pachka s'est déjà noyé, mec. Et le travail n'avance pas du tout. Il n'y a pas de progrès. Allez, écris le bon mot dans les commentaires. Tu as écrit Huggy. Alors, il faut un Y. Pach, j'ai besoin d'un Y. J'ai trouvé. Je crois que je l'ai trouvé. Le voilà. Aide-moi. Oui, j'ai trouvé le mot Huggy. C'est ça.
et c'est à Among Us Huggy Wuggy Style. Si c'est le bon mot, alors maintenant, oui. Les lumières sont allumées. Yeah. Top là. Moi et Pachka, on est la meilleure équipe. Ouais. Attends. Écoute, Pache, allons-y ensemble et trouvons l'imposteur, hein. Bonne idée. J'ai confiance en quoi, en toi, Bruno, et toi? Bien sûr. Nous avons vécu tant de choses ensemble. On a trouvé la lettre. Allons-y, Pache. Du coup, ça veut dire qu'en suspect, on a juste quelques personnes. Je pense que c'est encore Alina. Pourquoi tu rigoles? Moi, je pense que c'est Artyom. Voyons voir, mec. Pourquoi est-ce que je pense que c'est Artyom? Pendant tout le round, je l'ai pas vu une seule fois. Écoute, je l'ai vu une fois et... Attends! Aïe, Pachka! C'est stop, Alina! Stop! J'ai appuyé sur le signal! Non, faut pas! Arrête! Pourquoi? Je suis bien sûr désolé, mais... Là, il y a la mission 10! Presque terminée! Oh! Oh! Hey, allez, maintenant appuie! Je commençais à penser que tu ne voulais pas que j'appuie parce que tu es un imposteur! Pour que je te ne dénonce pas! Ce n'est pas vrai! Appuie! J'ai compris. Qui a convoqué la réunion? C'est moi! C'est moi qui ai appuyé le bouton assembler la réunion. Allez, réfléchissons un peu. Qui est l'imposteur? Bruno et moi, on a fait la mission ensemble. Puis nous avons trouvé le cadavre d'Alina. Et Safik n'est pas là. Et toi, t'étais où, Artyom? Moi, j'étais en mission avec Safik. Il était avec Safik. Et Safik n'est plus là maintenant. Il n'a probablement pas entendu, tout simplement. Il doit bosser encore. Oh non! On n'arrive plus à trouver la guiwagi bleue. Bah, il est aux gens en mission. Où il est? Non, frère, non. Bruno, c'est Artyom Archiniev. C'est lui, le traître. Excluons-le durant le vote. Je viens de trouver le cadavre de Safik. 1, 2, 3, 4. Toi et moi, on est restés ensemble tout le round. Ni toi, ni moi, nous nous sommes séparés. Je vote pour Artyom. Mais ce n'était pas moi. Et en effet, nous étions ensemble tout le temps avec Pachka. Donc je vote aussi contre Artyom, moi. C'est un traître de toute façon. Non. Je suis vraiment content que les gars aient deviné que j'étais l'imposteur. Et c'est parti pour le troisième round. Vous avez peur, hein? C'était mon idée. Bon, ici, il y a la mission numéro 7. Et la mienne, elle est là-bas. Il suffit juste de télécharger un fichier. C'est ce que je préfère. Il y a rien à faire. Il suffit juste comme ça. J'attends que ça télécharge. Allez, on y va. Regardez, la mission est là-bas, en haut du toboggan. Là-bas. Il faut juste que je monte et que je commence à faire le travail. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais pas peur, Bruno, tu viens m'aider, c'est ça, ouais? Bruno, qu'est-ce que tu fais ici? Il est encore ici. Visiblement, c'est lui l'imposteur. Il veut me foutre un coup de taser. Bon, on dirait que je l'ai semé. Bon, après, j'ai le temps de redescendre. Oh non, j'ai pas le temps. Il est en train de descendre. Non. Qu'est-ce qu'il te faut, Bruno? Laisse-moi tranquille. Je n'ai nulle part pour où aller. J'ai personne, j'ai nulle part où aller. Tu fais quoi? Bonjour à tous, chers amis, c'est Harry Schneff avec vous. Le monde n'a jamais vu une telle vidéo, un tel charisme. Et pour 4 millions, je vais sortir le clip. Bon, le spam est fini, ça finit qu'un, 2, 3, 4. Les gars, nous sommes de retour au centre de trampoline aujourd'hui. Je pense que tout le monde a vu la vidéo où nous étions ici en train de courir d'abord au soleil FNAF et ensuite de la lune FNAF. Parce que la nuit, il y a des vrais animatronics dans ce centre de trampoline. Mais cette fois-ci, Safik et moi, nous sommes préparés et nous avons décidé de jouer à cache-cache avec la lune. Regardez, nous avons apporté nos tenues de camouflage. On peut les enfiler complètement comme ça et se cacher dans une certaine couleur. Croyez-moi, c'est un camouflage vraiment cool. Vous avez remarqué, Safik?
C'est comme ça que ça marche, les petits gars. Notre travail consiste à appâter le soleil, à faire semblant de vouloir jouer avec lui, puis à éteindre brusquement la lumière pour faire apparaître la lune. Et déjà avec elle, nous enfilerons ses combinaisons de camouflage et jouerons à cache-cache dans ce gigantesque centre de trampoline. Sa fille cache les tenues de camouflage. Et maintenant, nous allons chercher le soleil pour qu'il joue avec nous. Soleil, où es-tu? Je t'attends. Soleil, allô? Désolé pour la dernière fois. On ne savait pas qu'il ne fallait pas éteindre la lumière. Alors viens, s'il te plaît. Il n'est pas dans le fromage. J'ai cherché de partout. Eh bien, Soleil, arrête de faire n'importe quoi. On ne peut pas passer la nuit à chercher. Le seul endroit où je n'ai pas encore cherché, c'est sur les trampolines, là. Les gars, sa fille regarde. Oh la vache, qu'est-ce qu'il y a dans les mains? Je me demande si on peut le toucher avec les mains. Je pense que ouais. Attends Arthur, regarde, il y a des boutons gris s'abonner. Oh, il doit les aimer. Les gars, vous devez nous aider, ça veut dire. Allez les gars, surtout n'oubliez pas de nous aider. Il y a donc écrit, je suis parti pour les boutons gris. Apparemment, c'est avec ça qu'on peut l'attirer. Les gars, s'il vous plaît, retournez votre téléphone ou faites quelque chose sur votre ordinateur. Allez en dessous de cette vidéo. Et si vous avez un bouton rouge, assurez-vous de cliquer dessus et de le rendre gris pour pouvoir attirer le soleil FNAF et jouer à cache-cache avec lui. Bon, allez, 1, 2, 3. Oh, merci beaucoup. Eh bien, un tas de boutons gris, où es-tu? Oui, il devrait être ici, non? Qu'est-ce que tu... C'est de là que venaient les rires. Comme la dernière fois, ils se cachent là, on y va. Hé, regarde. On est là. Tu te souviens, tu as montré différents jeux. Peux-tu montrer à nouveau? Tu es vraiment venu jouer avec moi? Je pensais que c'était une sorte de tour et que tu voulais éteindre les lumières pour que la lune apparaisse. Non. Quel piège! Ouais, ça fait... Ouais, on est là pour jouer, quoi! Ouais! Maintenant, nous allons nous amuser. Nous n'aurons qu'à éteindre les lumières quand il sera épuisé, c'est compliqué. Mais avant cela, ajoutons-lui quelque chose pour qu'il ramasse quelque chose, quoi! Ouais. Alors, allez, montre-moi! Ah bah! Ah, tiens. Comment je fais pour marquer? Il a marqué dans son goal, là, débile! Bravo! Maintenant, c'est à moi de jouer! Pas possible! Il ne l'a même pas regardé et il l'a mis dedans! Écoute, je le laisse tomber parce que j'ai peur! N'aie pas peur! C'est très facile! Si c'est le cas, d'accord! Alors quoi? Tu t'amuses bien? J'espère vraiment que tu t'amuses beaucoup! Y a-t-il quelque chose de moins extrême? Bien sûr, je vais te montrer. Tu es sûr que ce n'est pas dangereux? Bien sûr. J'espère que vous vous amusez bien. Artyom, tu t'amuses bien? Ok. Arrêtez, attendez. C'est un manège un peu trop extrême. Artyom? Artyom, passons tout de suite au plan B. Nous allons disperser des jouets comme ça, ils vont commencer à les ramasser, nous allons éteindre les lumières, et la lune arrivera, et là on sera déjà en train de jouer à casse-casse camouflé, mon gros. Je peux plus supporter ces jeux, les gars. On a trouvé cet endroit. Venez par ici. Voilà. Non, sortez de là. Pourquoi êtes-vous rentré là-dedans? Oh mon Dieu, quel désordre! Il faut nettoyer tout de suite. Oh non. Voilà. C'est ce genre de jeu qu'on aime. Oh tiens, il faut courir tout de suite, éteindre les lumières pendant qu'il est encore train de nettoyer. Allez, vous. Mais comment on fait pour éteindre les lumières? Nous devons éteindre la lumière en même temps. Mais tu te fous de ma gueule? Mais je te dis que ça marche. Allez, 1, 2, 3. Oh putain. Oh, ça y est, j'ai nettoyé. Les gars, où êtes-vous? Les gars, les gars, vous savez que vous ne pouvez pas éteindre les lumières. C'est la règle principale. Une seule règle, ne pas éteindre la lumière. Ça
ces garçons. Je vous avais prévenu. N'éteignez pas les lumières, n'éteignez pas. Elle sait. Probablement déjà transformé là-bas. Il faut qu'on mette nos tenues de camouflage tout de suite. Allez, on y va. Où êtes-vous? Je vais vous retrouver. Artyom, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ensuite, tout se passe comme prévu. Et écoute attentivement. Toi et moi, nous jouons avec le soleil. Mais dès que les lumières se sont éteintes, le soleil s'est transformé en une lune. Un sale garçon. Sale garçon. Il est temps que tu ailles dormir. Tu dois être puni. Oui, et maintenant qu'est-ce qu'on fait de la lune alors? Assez simple, on va jouer à cache-cache avec elle. Mais si la lune nous poursuit, on peut se lever ou s'allonger sur notre couleur et s'évaporer pour elle. Ah ouais, ça va être trop bien. Petit garçon. Sale petit garçon. Il est temps pour toi d'aller dormir. Exactement, sa fille. On dirait que ça va être super drôle. Qu'en est-il du générateur et des batteries? Il y a 5 générateurs sur la carte, ainsi que 3 batteries pour chacun d'entre nous. Nous devons les faire fonctionner pour allumer les lumières et les batteries pour rafraîchir l'énergie de nos torches. Il y a aussi une règle spéciale, une règle secrète, et c'est une règle pour nos téléspectateurs. Faisons un marché les gars, si la lune ne nous attrape pas, vous mettrez 100 000 likes sous cette vidéo. C'est beaucoup, mais je suis sûr que vous y arriverez. Exactement, j'ai bien compris. Et vous, est-ce que vous avez bien compris? Ouais, allons-y. Elles sont les costumes, Artyom. Regarde, 1, 2, 3. C'est bon, les costumes sont sur nous, allumons les générateurs et cachons-nous. Allons-y. Où est le générateur? Comment le trouver? Mince, c'est la lune. Je sais que tu es quelque part ici, je te sens. Viens vers moi. Il faut éteindre la torche. J'espère que le camouflage fonctionne. Méchant garçon. Pauvre petit garçon. Il est temps pour toi d'aller dormir. Tu as besoin d'être puni, petit... petit garçon. Bon sang, les combinaisons fonctionnent. Nous pouvons nous déplacer en toute sécurité dans tout le parc de trampoline. Artyom, mais pas peur, je cherche ce générateur. Vas-y, mais claire pas dans la gueule, s'il te plaît. Mais ça va pas, ça fique de me faire peur comme ça. Viens rigir un étang sur la carte, dans le fromage. Mais oui, regarde, je cherche ici, là. Viens avec moi. Ok, je vais voir ailleurs. Les gars, vous avez pas remarqué non plus, les gars. Si quelqu'un m'a remarqué, qu'il le dise dans les commentaires. Les petits abrutis. Ok, allez, suivez-moi. Allons le chercher le générateur. Quelque part par ici. La carte ne devrait pas me mentir. Oh, oh, voilà le générateur, les gars. Bon, il faut qu'on le mette en route. Allez, 1, 2, 3. Oh, c'est parti. Ah, je dois aller chercher les autres. Oh. Personne. Wow, on dirait que la combinaison fonctionne. Très bien les gars, il ne faut pas perdre de temps à chercher notre générateur. Et ouais, le générateur est en sécurité. Où sont les gars là? Il faut les trouver, s'assurer qu'ils n'atteignent pas le générateur et les punir. Cette combinaison est cool. On peut se cacher n'importe où. Il y a beaucoup de couleurs et c'est pour ça que je l'ai acheté pour entrer comme ça et m'assurer que personne ne me trouve à 100%. C'est aussi intéressant. J'ai entendu la lune. Elle disait, le générateur est en sécurité, donc il est quelque part dans le coin. Je ne pensais pas que ça serait aussi facile. L'essentiel n'est de pas tomber dans les boules et ne pas faire de bruit. Il ne reste plus qu'à le rejoindre en passant par cette gorge. On ne sait pas très bien quelle est la profondeur là. Ça marche. D'accord, je plonge et je remonte à la surface à l'autre bout du parc.
Urtium, c'est toi ? Qui d'autre se promènerait en costume rouge, hein ? T'as trouvé au moins un générateur, non ? Écoute, j'ai failli être brûlé par la lune, mais Dieu merci, elle ne m'a pas vu et j'ai pu allumer un générateur. Moi aussi j'ai allumé un générateur. Mince, Urtium ! Maintenant ça n'a plus de batterie, putain ! Et nous devons donc trouver des piles tout de suite. Si la lumière s'éteint, nous ne pourrons pas trouver les générateurs dans l'obscurité totale. Oh, qu'est-ce que c'est ça là ? Il y a une sorte de lumière, quelque chose qui tourne. Ah bon ? Incroyable ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Apparemment, c'est une sorte de... Nous sommes dans un jeu. Peut-être que c'est une sorte de point ou qu'on va nous donner une arme. Vas-y, touche-le toi, mon gros. Allez. Oh. Oh. Oh, génial. J'ai changé ma couleur. J'avais du rouge. Et maintenant, c'est du bleu. Apparemment, c'est un bouton qui change la couleur. J'ai du violet, moi. Regarde, maintenant on peut vraiment vaincre la lune. D'abord une couleur, puis une autre, puis une troisième. Ça doit plus être difficile pour elle maintenant. Urtium, voici la pile de ma torche, regarde. Ouais, ta torche est en train de s'éteindre, tu n'en as encore plus besoin, alors prends-la. Je vais aller chercher un générateur. D'accord, merci mon gros. Allez, les gars, quelque part ici, dans les trampolines, il devrait y avoir un générateur. Ouais, on va aller chercher les gars quelque part, ça va être trop bien, on va le trouver. Oh, le voilà! C'est tellement facile! Il était juste là! Ouais, je vais l'allumer maintenant et j'aurai un deuxième générateur sur mon compte, ouais! Je pourrais même dépasser Urtium! Oh les gars, la lune se lève juste ici, regardez! C'est trop bien! Je sens que les petits garçons sont quelque part là! J'ai besoin d'un endroit où me cacher! Oh, c'est rose! Le rose ne me va pas très bien! Jaune? Bleu? Chut! Non, il n'y a pas du tout de violet ici! Il faut vite se cacher quelque part! Mam, tu crois que j'ai une idée de génie? Ouais, les gars! Il y a plein de couleurs différentes dans cette immense piscine de cubes! Mais je pense qu'il va trouver d'avoir du violet, bien sûr! C'est parfait pour moi! Si je saute directement dans cette mer de cubes, il ne me verra pas, c'est sûr! Ce serait... J'espère qu'il ne me verra pas! De toute façon, je n'ai pas le choix! Hein? Deux? Il arrive! Toi! Il faut que je sois très calme et très prudent, sinon il va me brûler tout de suite! Il n'y a pas de problème avec le générateur! Il ne semble y avoir personne ici, mais nous devons encore regarder autour de nous! Et trouver ces vilains petits enfants! Oh, où pouvez-vous être? Il ne semble y avoir personne dans cette fosse à cube! Il va falloir chercher ailleurs. Oh, le gars, il a failli me cramer quand même, putain. Il ne me reste plus qu'à sortir d'ici et à se rapprocher du générateur et à l'allumer. Oh, un, oh, deux, trois. Oh, c'est parti. Il faut sortir d'ici maintenant. Voilà le générateur. Il est au début de ce labyrinthe. Je n'ai aucune idée de comment y arriver. La seule option est d'aller là-bas au plus profond de ce forêt et de trouver la solution. Des pièges. La torche ne fonctionne plus du tout. Il n'y a pas beaucoup de bleu là. Merde, il n'y a que le plafond. Si la lune est là, elle me trouvera immédiatement. Mais il n'y a pas d'autre option. Alors nous devons atteindre ce générateur. C'est le Père Noël, d'accord. Ok. On ne voit rien avec cette torche. On peut se perdre ici. C'est une vraie catacombe. C'est comme de l'eau dans le désert. Je la mets dans ma torche maintenant. Allez, allez. Oh, ça marche. C'est la lune. Les gars, elle est en haut, donc elle n'est pas dangereuse pour moi. Ok, t'as compris. Je montrerai bien mon cul, mais je ne ferai pas. C'est trop dur. Les gars, elle est au troisième étage. Le générateur est là-haut aussi. Trouvons un moyen de le contourner. Elle est au troisième étage.
Le générateur doit être ici, quelque part. Mes chers enfants, où êtes-vous? Il n'y a personne. Génial. Si je n'étais pas sur le carré bleu, mais au moins sur celui-ci, je serais foutu complètement. Mince. Le générateur. Mais comment... Le voilà, les gars, c'est le deuxième. Mettons-le en marche. Et comment ça? Je me demande si sa fille en avait un comme ça. Nous devrions le savoir. Au secours! Je ne sais pas où j'en suis. Arrête-toi, tu ne pourras pas t'enfuir. Oh la lune, elle est perdue. Pendant qu'elle s'embrouille, nous devons trouver le générateur rapidement. Mais où est-ce qu'il peut bien se trouver? Oh, le générateur! D'accord. Deux, trois. C'est quoi ce bordel? Oui, il fonctionne pas. C'est quoi le problème? Je pense qu'il faut demander Artyom. Artyom! Mais où est cette pique? Qui est là? C'est moi! Mon générateur ne démarre pas! Même problème! Il ne démarre pas! J'ai essayé de le tirer dans tous les sens! Mais ce sont les deux derniers générateurs! Écoute, si ce sont les deux derniers alternateurs, peut-être il faudrait les démarrer en même temps! Essayons, allez! C'est clair! 1, 2, 3! D'accord! Artyom! Je suis en position! Allez, sa fille! Allez! 1, 2, 3! Génial, ça a marché. Ça a marché. Ça y est, les lumières sont allumées. Et où est le soleil? Oh, eh bien, les gars, je ne pensais même pas que vous pouviez me tromper comme ça. On voulait juste jouer à cache-cache avec la lune. Ah bah super, mais maintenant, jouons ensemble pour le reste de la nuit. Les gars, nous allons jouer à cache-cache avec le soleil pour le reste de la nuit et nous le filmerons pour vous. Si vous voulez voir la vidéo où nous jouons à cache-cache avec le soleil, abonne-toi à la chaîne, mets 100 000 likes sur cette vidéo. Mais en attendant, cliquez ici et regardez cette vidéo. Cette vidéo incroyable.